Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que l'argent fait le bonheur? Pour une raison que j'ignore, les êtres humains semblent être fascinés par les gens qui semblent avoir réussi dans la vie. Combien idéalisent la vie de Céline Dion à Las Vegas, par exemple? À plus petite échelle, nous regardons parfois nos voisins ou nos amis et nous croyons qu'ils ou elles mènent une belle vie, un bon emploi, une belle maison, une belle famille, des enfants sages. Cependant, lorsque nous grattons un peu le vernis, nous nous rendons toujours compte que leur réalité est beaucoup plus complexe. Le succès ne garantit pas nécessairement le bonheur ou la tranquillité d'esprit. La peur de perdre ses acquis conduit souvent à la prise de mauvaises décisions et de choix douteux. L'extrait d'aujourd'hui nous présente la version des Béatitudes de l'Évangile selon Luc. Plusieurs connaissent le très célèbre sermon sur la montagne de Matthieu. Jésus y déclare « Heureux ceux qui sont humbles de cœur, heureux ceux qui sont doux, heureuses celles qui ont soif et faim de justice. » Mais le passage de Luc est un peu différent. Jésus d'abord descend de la montagne pour s'adresser aux gens sur la plaine. J'ai grandi à la campagne et on disait « sur le plancher des vaches ». De plus, Jésus ne semble pas s'adresser à l'ensemble des disciples de tout temps et de tout lieu, mais à un regroupement de gens déchus, pauvres, maltraités, malades et humiliés sur une base quotidienne. Dans ce contexte, on peut comprendre que cette version est un peu plus brute, un peu plus crue, un peu plus peut-être directe, un peu plus pratique. Heureux vous qui êtes pauvres. Heureux vous qui avez faim. Heureux vous qui pleurez maintenant. Ces mots ne tendent pas à répondre à de grandes questions théologiques ou sociétales. Ils visent à consoler les désœuvrés de notre monde. Et avec ces quelques phrases, Jésus présente le grand principe au cœur du royaume de Dieu. Il proclame l'avènement d'un grand renversement qui va à l'encontre de la sagesse populaire de nos jours. Les pauvres, les affamés, les laissés pour compte peuvent se réjouir parce que leur situation s'améliorera à la suite d'une redistribution plus équitable de nos ressources. Les gens déchus, maltraités et humiliés peuvent espérer un meilleur sort parce qu'ils occupent une place importante dans le cœur de Dieu. Une communauté organisée autour de nouvelles bases émergera de la transformation radicale de notre monde. Il est difficile d'être contre ces beaux principes de justice sociale proclamés par Jésus. Cependant, la suite de son discours est un peu plus confrontant. Il déclare « Malheur à vous qui êtes riches. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant. Malheur à vous qui riez maintenant. » Généralement, nous ne sommes pas contre l'abolition de la pauvreté tant aussi longtemps que nous ne perdons rien dans le processus. Pour ceux et celles d'entre nous qui vivent confortablement dans l'un des pays les plus riches au monde, cette promesse
du grand renversement, cette promesse de la venue du royaume de Dieu ne semble pas être vraiment une bonne nouvelle. Sans nous lancer dans une critique virulente du capitalisme et de l'argent, les mots de Jésus offrent une sagesse trop souvent oubliée. Les conditions de toutes les personnes riches, populaires et privilégiées sont souvent précaires. Rien ne peut tout faire basculer. Une perte d'emploi, un diagnostic médical, un commentaire de trop sur les médias sociaux. Le désir de conserver fortune, gloire et position sociale chèrement gagnée peut nous conduire à choisir le confort lorsque l'audace est requise, à nourrir un vide intérieur avec le dernier gadget, à endurer une situation inacceptable au lieu de la dénoncer. L'aisance et la prospérité peuvent être à la source de beaucoup de malheurs et de souffrances. Mais je ne crois pas que les mots de Jésus visent à condamner toutes les personnes qui ont un peu d'argent dans leur compte de banque ou, à l'inverse, présenter une vision romantique de la pauvreté, en faire une espèce d'idéal à atteindre. Je crois qu'il nous présente tout simplement un constat de la condition humaine. Et si cette liste de bénédictions et de condamnations n'est pas accompagnée d'une marche à suivre claire, nette et précise, elle nous invite quand même à réfléchir sur l'état du monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi nous devons travailler pour changer le présent afin de renverser les injustices de nos sociétés. Nous sommes invités à nous libérer de toutes les contraintes qui nous enferment dans l'immobilisme. Nous sommes appelés à adopter des valeurs et des principes qui nous rapprochent du royaume de Dieu. Heureux vous qui êtes pauvres, qui avez faim, qui pleurez maintenant. Malheur à vous qui êtes riches, que vous avez tout en abondance, qui riez maintenant. Parfois, les mots de Jésus sont difficiles à entendre. Nous sommes tentés parfois de les faire disparaître, du moins ceux qui sont plus confrontants. Nous préférons les belles histoires qui nous confortent à celles qui critiquent les valeurs acceptées par notre société. Et pourtant, les mots de Jésus, dans le contexte d'aujourd'hui, nous offrent une vision de ce que notre monde pourrait être, devrait être, et nous appellent toutes et tous à devenir des agents de cette profonde transformation voulue par Dieu. Encore une fois, merci d'être là. Merci de nous écouter. Je vous invite à ne pas oublier de soutenir financièrement notre ministère. N'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Comme toujours, en haut ou en bas de cette capsule, vous trouverez tous les liens pertinents. Continuez à faire attention à vous, demeurez en santé. Au revoir.